Salut à tous et à tous, ici Superfan, c'est Apesla, on se retrouve pour l'épisode numéro 4. Ouais, il me semble, 4 ou 5, non, c'est 4 de Yu-Gi-Oh! 5D Over the Nexus. Bon, si, pour le jeu, le vrai nom, ah non, on peut pas. Ah, il n'y a pas possibilité de retourner sur le titre, sur le décan titre. C'est génial, c'est génial. Est-ce qu'on peut paramétrer, ouais, changer d'image, est-ce que... Ah, on peut changer pour le moment, voilà. La coiffure, on touche pas, et les fringues, voilà, on n'a pas de vêtements, tu ressembleras à un pétenouille jusqu'à la fin de ta life. Les objets, voilà, t'as l'inventaire du jeu qui est dans le menu, quoi, je trouve ça juste incroyable. Donc c'est parti, on va tabasser le sad guy qui nous a volé nos objets. Bon, vas-y, moi je rentre dans les maisons comme ça. Si t'appelles ça une maison, il n'y a que du bric-à-brac, personne ne se cache ici. Ils ont pris quand même la peine de modéliser ça. Rien que du bric-à-brac, personne ne se cache ici. Regardez. Bon, il n'y a que deux portes. Salut, beau gosse. Qu'est-ce qu'il faisait? Prends-toi, Gordon. J'imagine que tu es venu pour récupérer tes éléments, c'est ça? Tu sais, dans cette vie, ce sont les victimes qui sont à blâmer. Prends ça comme une leçon. Ou alors tu veux m'affronter en duel et regagner ces pièces. Ok, tu es prêt? Alors je me souviens, ce sale gars est assez fort. Mais bon, si mon deck tourne bien, monde de Gotham, hein, référence à Gotham City, sans doute. Ah, j'ai gagné le Shifumi. Bon, je joue en deuxième. Parce qu'en deuxième, tu peux attaquer. Alors c'est vrai que maintenant dans Yu-Gi-Oh, les nouvelles règles, c'est le deuxième qui attaque, c'est le premier qui joue qui gagne, je crois. Ou alors c'est le deuxième, je sais plus. T'as une règle comme ça maintenant. Alors, Murène de Cupidité, renvoie deux monstres hauts depuis votre main à votre deck et piochez 3 cartes. Ok. Prends près de la barrière de glace, c'est un monstre. Il joue un deck haut, troupe de choc de la barrière de glace. Ou alors il joue un deck barrière de glace. Alors, de mon côté, j'ai ma top, j'ai Omnoblack. Alors il a invocé la princesse dansante de la barrière de glace. Une fois par tour, si vous contrôlez un autre monstre barrière de glace face à toi, vous pouvez révéler le nom de votre main. Okay. J'ai pas de monstre. Ok, il a posé une carte piège. À moi. Allez, nous, Tan. L'eau. Alors, j'ai laptop minospatienne. J'ai la reine des gladiateurs qu'on va garder. J'ai Automac. J'ai le chariot de guerre des bêtes gladiatrices, on va la mettre. On va poser l'hommage torrentiel aussi. Et j'invoque un monstre verso et je finis mon tour. Aucun de ces monstres peut vraiment me faire des dégâts. Et si il active un effet. Ok, c'est quoi ça? Ces cartes ne peuvent. Votre adversaire ne peut ni jouer des cartes magiques ou pièges. Très bien. Je m'emballe un peu les couilles, sauf si t'es un monstre plus fort que moi. Là, par contre, on va pas être amis. Ok, princesse dansante, c'est la même carte qu'il a. Tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Ouh, Gantala, ouh, alors lui c'est un daron. Caravane de la barrière de glace, ok. Il annule les effets de mes deux cartes, ils étaient déjà annulés. Ah non, il les renvoie. Attaque si tu veux, mais tu vas perdre ton tour. C'est ça qui va être magique. Otlomac. La limite de tes cartes, j'active l'effet spécial de Nomac en le renvoyant dans mon jeu. Je peux invoquer spécialement. Alors, il a pas de carte magique. La Calarius, bête gladiatrice. Activé par cet effet, il gagne 300 points d'attaque. Hein, je ne veux pas le répéter. Ensuite, fin de son tour, il n'a opposé aucune carte magique et piège. Donc, c'est bon pour moi. Ah, et j'ai pioché Renaissance du monstre. Donc, on va reposer les deux cartes. Ah non, je peux carrément pas poser des cartes. Très bien. Alors. Ah, je peux pas activer de cartes magiques. Ok, c'est embarrassant. Bon bah j'attaque, hein. La Kéalus. Et je finis mon tour. On est que ça. Je n'active pas l'effet spécial de la Kéalus parce que si. Parce qu'on sait jamais. J'ai 2100 points d'attaque, il a 1700.
j'ai l'avantage. Alors, emblème de la barrière de glace. Ajoutez un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main. Ah, il a choisi un synthoniseur. Culé. C'est pas grave, pourquoi, vous inquiétez pas, je vais peut-être perdre des points de vie sur ce tour. Il invoque son monstre synthoniseur défenseur de la barrière de glace. C'est un synthoniseur. Il est synthonisé pour invoquer le monstre synchro. Ah, c'est sa carte, c'est Gunnir, dragon de la base de barrière de glace. Ok. Très bien, bravo, t'as invoqué une grosse bête. Tu vas me faire perdre 400 points de vie, mais inutile parce que j'ai mon... Parce qu'à la fois j'ai renaissance du monstre et j'ai la matop néospatienne. Vous aurez compris que ce combo peut être gratuit. Je pioche. J'ai pioché Mermillon, merde. Bon, dans un premier temps, je repose mes deux cartes pièges et magiques. J'invoque sur mon terrain la top géante néospatienne. Ensuite, j'active ma carte magique, mon renaissance du monstre. Pour réinvoquer... Ah, je peux choisir un de ces monstres. Ça aurait peu d'intérêt. Je réinvoque mon Laquarius en mode attaque. Ensuite, top géante néospatienne attaque son monstre. J'active l'effet de la top géante néospatienne. De ce fait, les deux monstres retournent dans nos mains. Et Laquarius attaque directement. Pyro Blaster. Alors, toujours avant des noms d'attaque alors que les cartes n'ont aucun effet. Alors j'utilise l'effet spécial de Laquarius. Pour invoquer spécialement sur mon terrain. Bah très peu d'intérêt. Bon, je vais mettre un Onomac parce qu'il a... c'est toujours bon d'avoir un monstre défensif sur son terrain. Et au pire, j'utilise la carte magique Arène des Gladiateurs. Pour aller chercher dans ma main un Laquarius. Oui, je sais, j'ai envoyé un Laquarius et là j'en récupère un. Bref. Voilà, j'ai 4 monstres. Et au cas où, j'ai Autonomac. Et au cas où, j'ai l'hommage torrentiel. Et au cas où, j'ai la chariot de guerre. C'est vrai que là, j'ai 5 monstres. Alors, troupe de choc de la barrière de glace. Lorsque vous pouvez sacrifier ces cartes pour sélectionner un monstre contre et le titre. Ok. Dans les deux cas, il détruit les monstres. Non, j'attends de voir son effet. J'attends de voir son effet parce que je peux utiliser peut-être le chariot de guerre. Ok. T'as invoqué un monstre comme ça. Ah, la prison dimensionnelle. J'invoque Darius. Bad gladiatrice. Alors c'est vrai que je peux utiliser le mochon en slip pour ma gueule. Alors j'attaque avec Darius. Je sais que j'aurais pu faire plus de dégâts avec mon... Mais bon, je vais... Mais pour la simple et bonne raison que si j'aurais invoqué la Okelarius, j'aurais pas pu utiliser son effet. Oui, c'est vrai que je peux activer l'effet de la... du chariot de guerre, mais pourquoi? Bien voilà, l'Aquarius en attaque. Comme ça, il a son effet. Et au prochain tour, je pourrais invoquer un... Si tout va bien, si j'invoque Mirmillon. Si tout va bien, j'invoque Mirmillon. Comme ça, je le renvoie dans mon jeu et après... Je pourrais utiliser le fait de Mirmillon si je repioche un monde de gladiatrice, par exemple celui de la Clarius. Vous voyez, et de la strat. Alors, rosée des ténèbres de la barrière de glace. Si tous les monstres transversaux que vous rencontrez sont de niveau 2 au moins, cette attaque peut attaquer directement votre adversaire. Si tu veux m'attaquer directement, fais-toi plaisir, mais au prochain tour, tu prendras autant. Ok, en gros, ce monstre... Bah, c'est pas grave, j'ai une prison dimensionnelle, donc du coup, ton monstre... Il retourne dans les ténèbres. Bravo mec. Et si t'as une carte magique, vas-y. Non, t'as aucun. Tu joues avec aucune carte magique ou piège. Très bien. Très bien. Ah, la lance interdite. Bon, j'invoque Mermillon en attaque. Bête galatrice. Non. Je fais l'invocation spéciale d'Erakinos en envoyant mes 3 monstres dans mon deck. J'invoque la bête galatrice Erakinos. Alors Erakinos n'est pas affecté par les cartes magiques ou pièges, hein, je crois. Non, je défausse une carte et je peux la détruire. Bien, bien. C'est pour ça que j'ai gardé l'Aquarius. Au prochain tour, comme ça, j'ai toujours une belle gladiatrice dans ma main. Qui puisait une carte qui est très forte. Donc voilà, on a l'avantage. Là, le deck tourne.
Mais c'est vrai que quand j'ai par exemple Myrmillon dans ma main, c'est une très mauvaise signe. Vaut mieux l'avoir dans le deck. Parce que cette carte peut permettre de détruire un monstre. Bon certes lui il est fait, mais si j'ai la prison dimensionnelle et un monstre en plus, bon bah j'ai gagné. Ah quoique. Oh, dans les deux cas, il a une carte magique ou pièce, on s'en fout un peu. Parce que voilà. Alors je vais invoquer ma top géante néostatienne. Je pense que vous avez compris ce qui va arriver. Top géante néostatienne. Non. Vas-y, si tu veux activer ton effet, de top laser. J'utilise l'effet spécial de la top géante néostatienne en la renvoyant dans ma main. Je permets de renvoyer le monstre adverse. Heraklinos va attaquer directement tes points de vie. Et comme je suis assez prévoyant et que dans tous les cas je gagne, j'utilise la carte magique lance interdite. Mon monstre perd 800 points d'attaque, mais n'est plus affecté par la carte magique ou piège. Et comme il lui reste 2200 points de vie, il perd. Oui, j'ai gagné. Tu as gagné. Quoi, mes cartes ont perdu, c'est impossible. Aussi, bon, je vous avoue que c'est pour avoir voilà, le bonus 0 LP tout juste. Hein. Je vous l'avoue. C'était prévu. Voilà, le deck a tourné. J'ai bien joué, le deck a tourné. Un homme ne revient jamais sur sa parole. Je vais te les rendre. Et au passage, je crois que les trucs sont très... C'est de la merde. Tu as obtenu pièce demandée par Toru. Voilà, tu t'es pris une branlée. Mon deck... le deck Bête Gladiatrice... Bon, il y a d'autres versions du Bête Gladiatrice, mais celui-là est bien fort. Parce qu'il tourne sur juste Beatrix et l'Aquarius. Salut les gars, c'est tout, faible et pathétique. Oublie-moi par pitié. Vous avez attrapé le... il me vouvoie. J'allais dire, mais vous, mais attends, on est plusieurs là. Vous avez attrapé le type après qui vous étiez. Il me vouvoie en fait, je vais zapper ce détail. Tu t'es donc fait voler tes éléments par le type que t'avais parlé du magasin. C'est comme un ancêtre vie, enfin heureusement que tu as récupéré tes éléments. Oui, oh, je me suis pas encore présenté, je m'appelle Yusei Fudo. Donc le héros, lui c'est le héros de Yu-Gi-Oh 5D. Bon, en même temps vous l'avez remarqué, hein, c'est lui qui est sur le layout, sur la miniature. Moi c'est Ken Kessler, et toi? Hugo, joli nom. L'autre personne qui était avec nous plus tôt c'était Jacques, je pense. Et Crow, je pense. Nous formons les exécuteurs, la légendaire équipe qui a unifié tout satellite. Ça te dérange si je jette un coup d'œil aux pièces de duel moto? Ouais, ça s'appelle les duel moto, mais en anglais c'est les duel wheeler, je crois. Donc j'avoue, bon, la traduction française a pu la merde. Des duel moto, ouais, on fait des duel moto que tu as acheté. Parce que oui, Yusei, c'est un pro de les duel moto. C'est pour ça que les gens n'aiment pas Yu-Gi-Oh 5D. Ça reste bloqué sur les motos, voilà. Je suis d'accord avec vous. Les motos dans Yu-Gi-Oh 5D, c'est une belle connerie. Il faut pas se laisser juger sur ça quoi. L'histoire de Yu-Gi-Oh! Sunday est pas mal quoi. C'est pas lui tout ça et ça a été fait volontairement. Quoi, vraiment? Ouais, ça ressemble à un tas d'ordures assemblées. Je ne leur pardonnerai jamais d'avoir vendu ce truc. Ah là là, je me suis fait sauver. Hugo, montre-nous où est le magasin, on va leur rendre une petite visite. Suivez-moi les gars! Putain mais les gars, vous êtes pas censés les mecs avoir unifié satellite et vous savez pas où est le magasin. Ça devrait être là. Alors c'est toi les escrocs qui vend de la merde, j'allais dire de la merde en toc. De la marchandise en toc, ça aurait été mieux de dire, de la merde. Oh Kalin, de quoi tu parles? Arrête de faire l'innocent, je sais que tu es coupable. Tu me diras ça devant le juge. Non! Enfin, tu vas faire quoi? Tu vas lui faire bouffer les... Je pense qu'on ferait mieux d'attendre ici. Allô, au passage! Yu-Gi-Oh 5D, c'est vrai que cette partie n'a jamais été, je crois, doublée en français. Un beau scandale, hein. Ah, il va récupérer notre argent. Merci, Kaline. Argent pour les pièces. On a récupéré ton argent, mais je vois pas de produit officiel là-dedans. Toutes ces pièces ont juste été assemblées sans réfléchir. Je doute qu'une seule fonctionne.
Oui, mais tu as bien de ces pièces, Hugo. J'avoue, le nom il est complètement moutéki, Hugo. C'est un mélange entre... Bah... Entre Yugi et Hugo, quoi. Tu as dit que ton ami te les avait demandé et tu as les noms de pièces écrits quelque part, un mémo. Ouais, bah oui, dans mon inventaire. Je pense pouvoir t'aider. Tu as du temps? Alors attends un moment, un instant, je vais te préparer tout ça. Il est parti, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Lucia si plein d'énergie. Je sais qu'il a dit d'attendre, mais il y a pas grand chose à faire ici. Où est Jack? Ou tu veux le remercier? Le connaissant, il doit être au nouveau endroit du magasin de cartes, c'est au nord du bowling. J'ai jamais trouvé ça de bowling. Y'a pas moyen de te défier, Kaline? Alors Kaline. Oui, il a un nom de merde, je sais. J'ai regardé sous le capot, mais il n'y a rien d'autre que qui pourrait être utilisé pour une duel moto. Tu vois le gros SDF, quoi. Kaline, ouais. Kana Kaline. Alors je sais, lui on peut le défier, mais c'est pas un duel obligé, donc on va pas perdre notre temps à faire des duels. Ou alors vraiment, si on se fait chier, tiens, si j'ai envie de faire des épisodes super longs. J'avoue, on a tellement pas du charisme, quoi. Faudrait un jour que je... Ah bah, il est là. Tu es venu pour me remercier, tu as de bonnes manières. Quand tu es du lys, absolument, tu te fais un duel contre moi. Allez, je pense qu'on va faire un duel contre Jack et après... Pas besoin de te retenir, montre-moi ce que tu es capable. Bon, Cicro nous a mis la branlée, Jack, en règle générale, nous met la branlée. Repère des dragons, Jack Atlas. Il y a Katlas qui est le Kaiba de 5D, hein, y a pas d'autre mot à dire. Hein. C'est complètement le Kaiba de 5D. Autant dans GX, t'en as pas. T'as pas trop de mecs qui ressemblent à Kaiba, mais lui, Jack Atlas, lui ressemble énormément. Bah déjà, il a un dragon. Bon, c'est pas le dragon dans les yeux bleus, mais il a un monstre qui lui ressemble. Alors j'ai pas une main immense. J'ai beaucoup de contre. Bon alors, j'ai le paralyseur de piège. Il faut avouer, chiant. J'ai l'homme assurantiel, j'ai Ritiarus. C'est vrai que c'est l'une des bêtes directrices qu'on appelle souvent. On a Raoul, le roi du tonnerre. Aucun joueur ne peut ajouter de cartes depuis son deck à sa main. Et cette terre, on les piochant. Vous pouvez envoyer cette carte en phase resto pour annuler l'effet spécial d'un monstre. Bon, on va... Et oppression royale, tous les joueurs peuvent payer 800 points pour annuler l'effet spécial. Alors ça, je vous avouerai que cette carte dans le deck Bête Gladiatrice est très très mauvais. Bon, je l'ai mis parce que voilà, ça bloque, parce que déjà j'ai fait ça un deck en regardant sur internet, je vous l'avoue. Mais je trouve que cette carte elle counter un peu ton propre deck, quoi, parce que tu joues sur les invocations spéciales. L'adversaire peut payer 800 points de vie et annuler tes invocations. Enfin bref, c'est mon avis. On a aussi le set outil du bandit, mais vaut mieux mettre le paralyseur de piège. Alors je mets 3 cartes de piège au magique sur mon terrain et j'invoque Rao, roi du tonnerre. Ok, il a un mage torrentiel, super, bien joué Billy. C'est quoi son monstre? Ah, c'est le diapason des ténèbres, très bien. C'est le diapason. Alors le diapason des ténèbres, c'est l'une des cartes fétiches de Jack en plus. Alors le diapason des ténèbres, une fois par tour, si cette carte doit être détruite au combat, elle n'est pas détruite, le calcul des dégâts s'implique normalement. C'est une des cartes préférées de Jack, parce que Jack joue un jeu... Jack joue un jeu assez proche des dragons, mais dans l'anime, il a un jeu proche du... Bah écoute... Tu me l'as mis, je te l'ai armé. Écoute Jack, j'ai envie de te dire, écoute mon bonhomme, t'as voulu jouer au con, Ah, char d'assaut de Belle Galatrice, très bien. Alors ça c'est pour les effets, hein, je crois. Enfin c'est bon, c'est effet. Bon bah j'ai qu'un monstre, hein, j'invoque sur mon terrain Ritiarus. Ton bar est vide. Alors Ritiarus, je crois que son effet c'est, on l'avait déjà vu une fois, c'est un retien interne du cimetière de l'adversaire. Ah, il a un pendulier de combat. Je m'en bats totalement les couilles, mon jeune ami. Je pourrais très bien faire utiliser mon impression royale, mais... Ah oui, mais ça annule l'effet... Ok.
Alors ça sert à rien d'utiliser le paralyseur de piège, hein, par me paralyser moi-même, ce serait complètement con. Il n'a aucune carte piège sur son terrain. Ok. Alors ça c'est emmerdant, il va me tuer mon Retiarus. Très bien. Il va tuer un monstre à invoquer. Ah oui, le sacrifie. Il envoie le dragon cruel. Alors ça, avons-le. Je n'ai rien pour le counter. C'est dingue, j'arrive pas à faire tourner le jeu, ou alors ils ont des comptes, beaucoup de comptes. Je finis mon jeu et il me faudra un Onomac. Ah bah, justement, l'âme des cartes. L'âme des cartes, les gens, Onomac. La carte, il me fallait quoi. J'aurais pas pioché au Tlomac, là j'étais mort. J'ai pioché le bon monstre. Sauf s'il fait une invocation synchro, et là par contre je vais peut-être utiliser mon empresseur royal. Mais bon, là il a la confiance, je crois malin. Ouf, il a invoqué un dragon masqué. Je crois que je vais utiliser l'oppresseur bientôt. Bon, il m'a enlevé 2000 points de vie, ça au pire c'est un problème. Alors dans un premier temps, vous pouvez. L'effet qui invoque normalement. Non. Je révèle ma carte, Autlomac. Veille gladiatrice. Alors du coup, bah oui, ça ne m'attaque pas. J'utilise l'effet spécial de Nomac. Apparemment, tu n'as aucune carte magique ou piège. Donc, et j'invoque sur mon terrain l'Aquarius. Du coup, mon Aquarius est bien plus fort que ton dragon cruel. Je vais pas attaquer ton dragon royal. Alors, si c'est une carte piège, ça ne pose aucun problème. Alors, je vais éviter de l'activer pendant son tour. Ça, c'est mon tour. Je pioche. Et un deuxième Aquarius. Très bien. J'invoque l'Aquarius. J'utilise la carte magique, la carte piège plutôt paralysant de piège. De ce fait, on peut activer aucun carte piège. Ok, il utilise un pot de vin. Si tu veux, écoute. J'ai bien fait d'utiliser mon pot, le truc. Et j'ai pioché prison dimensionnelle. C'est très bien. Du coup, ben, il a utilisé sa carte piège. Est-ce que. Oui, bon. Dragon cruel, il a plus que 2000 points d'attaque. Alors, je vais éviter par contre de sacrifier mes points de vie, étant donné que j'en ai perdu un petit peu. Ton dragon cruel, il est mort. Alors là, j'ai une petite stratégie, je sais pas si elle va marcher. Alors, il va invoquer un monstre, il va invoquer qui? Est-ce que je peux. Ah non, je peux utiliser mon chariot de bête de guerre des bêtes des galétrices. De ce fait, ça annule son effet. C'est pas mal ça. Je croyais que ça pouvait pas activer cet effet comme de cette façon. Bon, j'ai fini mon tour. J'active l'effet spécial, non pas du premier, mais du deuxième, l'Aquarius. Bon, il a plus de monstre, mais je le renvoie et je vais invoquer sur mon terrain. Est-ce que j'ai une belle électrice dans mon cimetière? Je crois pas. Hein. Je vais invoquer Darius. Je sais pas si. Oui, je peux activer l'effet spécial de mon Darius. Ah oui, je me doutais, j'avais Retiarus sur mon terrain. Je le mets Retiarus en mode défense. Je peux pas activer les spéciales de mon Darius de toute façon. Et suite à cet effet, j'aurais pu très bien faire utiliser son effet, mais ça va pas marcher. J'envoie mes trois monstres. Là c'est intelligent, j'avais une petite stratégie avec Myrmillon, mais comme l'effet spécial de mon Myrmillon. Bah, l'effet spécial du chariot de guerre est arrivé, la counter son effet. Et ben voilà, je me suis rabattu sur mon Heraclinos. Heraclinos, pour un rappel, hein, il n'est pas affecté par les cartes magiques ou pièges. Voilà, au bout du. Combien on est au combien de tours? Au 9ème, j'ai invoqué mon Heraclinos. C'est vrai que là, Jacques, t'as du souci à te faire. Tu n'as pas de monstre, tu es baisé. Tu n'as ni monstre ni carte magique, Jacques. C'est mauvais ça, Jacques. Très mauvais. Et j'ai pioché un Onomac. Bon. Il y a un Onomac comme en attaque. J'en ai rien à foutre. Hein. C'est un monstre. Il n'y a pas aucun monstre sur le terrain. Bon, Heraclinos. Attaque. Ah, il a un pendulier. Super. Je pourrais utiliser l'effet. Bon, écoute, j'utilise l'effet spécial de mon oppresseur royal. Utiliser l'effet maintenant. Je paye 800 points de vie. Parce que là, il va quand même perdre 3700 points de vie. Et dans les pires des cas, s'il utilise l'effet de son.
S'il utilise l'effet, son l'effet de ma carte contre moi, il perd 800 points de vie. Et je perds Iraklinos. Je perds Nomak. Écoute, j'utilise l'effet spécial de Totemark et tu veux-tu utiliser cet effet contre moi? Oui, très bien. De toute façon, tu le renvoies en main, il est dans mon jeu. Ah, d'accord, je comprends mieux là. Très bien. En fait, je croyais que ça détruisait mon monstre. Mais non, l'effet s'active et ensuite j'ai le choix. En fait, il peut rien faire quoi. Il ne triera jamais un monstre. Et tant que j'ai Iraklinos et sur le terrain avec ses 3000 points d'attaque, il ne peut rien me faire. Il a un monstre. Si tu veux, monstre. Je te signale quand même qu'Iraklinos n'est pas affecté par les cartes magiques ou pièges. Et en plus, là, je viens de piocher Avertisseur Royal. Bon! Vas-y, active ta carte magique, je m'en fous complètement. Ah, un dragon masqué. Je crois vraiment que je vais te laisser faire. Ah si, il a droit. Il a 1400 points d'attaque. T'as un syntoniseur, bravo mon garçon. Mais est-ce que t'as un syntoniseur, un monstre synchro qui a plus de 3000 points d'attaque, je se doute. Oh. Je vais assurer mes arrières. En mettant mon set outil du bandit. Alors je vous avoue que ce jeu a un petit problème. Le jeu que j'ai, il a un petit problème. Il n'a pas de truc pour régénérer les points de vie. Ok, tu le mets en mode défense et tu repioches une carte de piège magique. Très bien. Je m'en bats les couilles totalement. Je la garde en main. Pourquoi? Parce que s'il active une effet de carte magique ou piège, c'est toujours bon d'avoir... Alors fais-moi voir. Sectionner un monstre T1. Diminuer son attaque de 700. J'utilise l'effet spécial d'Héraclinos en défonçant une carte, donc l'avertisseur divin. Il n'est pas affecté par les cartes magiques ou pièges. Je te fais au revoir. C'est ça, je dis. Faut toujours garder une carte dans la main. Si puis j'ai en plus, si c'est un monstre bête d'Héraclinos qui n'était pas utile, donc par exemple, je sais pas, un exemple. T'as Myrmillon dans ta main. Bah, tu utilises l'effet spécial de Myrmillon de machin, d'Héraclinos, tu l'envoies dans ton cimetière. Après, tu repioches un monstre gladiatrice, je sais pas, par exemple, l'Aquarius, tu utilises ton effet. Alors là, il a pas de monstre. Très bien, bah, t'as perdu. Voilà. C'est très rare que ce jeu ait du mal à tourner. Mais heureusement que j'ai quand même eu l'esprit d'invoquer Darius. Parce que si j'aurais pas invoqué Darius, je pense que j'aurais été dans la merde. J'aurais pas eu une. Pas de carte magique. Eh ouais, j'ai pas utilisé une seule carte magique. Bon, ici, on faisait une petite ouverture pour finir cet épisode. Bon, on a battu... Quoi? J'ai perdu. J'arrive pas à croire. Oh, c'est amusant comme duel. Cette carte pourrait te servir. J'ai perdu contre Crow quand même. Mais Crow, il a eu un deck qui marchait vite, quoi. Il m'a donné son dragon cruel. C'était un duel impressionnant, je ne peux pas me retenir quand je vois quelque chose de la sorte. Hugo, affronte-moi aussi en duel. Enfin, ce sera le prochain épisode, Kaline. Kaline utilise un deck infernité, hein, il me semble. Bah, dans l'anime, il utilise un deck infernité. Après, je suis pas sûr qu'il utilise son deck parce que là... Bah, Jacques, il a pas encore le dragon Archédémon. Bon, on va sauvegarder. On va faire une petite ouverture pour finir. Ah, nouveau poké, ah bah... Ça, un nouveau paquet en magasin. Allez, et c'est quoi? Non, c'est pas. C'est Révolution Silver Mythique. Eh ben, vous savez quoi? On va s'offrir 10 paquets On va s'offrir 10 paquets de ça. Et 10 paquets d'ailleurs. Et 5 paquets de ça. Voilà, c'est Bibi qui régale. Donc voilà, aujourd'hui, une petite ouverture sympatoche. Hein, 10 paquets du deck Révolution Infernique. Révolution Silver Mythique, je crois que c'est ça le nom. Révolution cybermétique, la révolution des machines est enfin là, le rampage cybermétique détruit tout sur son chemin. Ouais. Tu peux avoir le dragon. Le petit dragon cyber, c'est ça. Et là, tu peux avoir des monstres synchro. Ouais, tu peux avoir 4 d'or, tu peux avoir un sabre X et le dragon. Dronac, le dragon de la barrière de glace, je crois. Bon, eh ben, on va ouvrir, c'est parti. Alors, commençons par les decks. Ok. Ah, Tabdol, ok, ça c'est pour les decks grenouilles. Ah, je sais plus le nom de cette carte. Alors, Hawaii, artiste de l'esprit, sacrifie un monstre haut sur votre terrain. Regardez la main de votre adversaire, sonnez une carte et envoyez-la au cimetière. Ouais, ouais, c'est jamais.
conscription. Prenez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Si la carte prise peut être invoquée par invocation normale, invoquez-la par invocation spéciale sur votre terrain. Sinon, ajoutez-la cette carte à la main de votre adversaire. Ouais, bon. Tapdol. Ça, c'est pour les decks grenouilles. Elle est pourrie comme ça, mais ne vous inquiétez pas les formes. Lorsque cette carte est sur votre terrain et détruite à l'issue d'un combat et envahie dans votre cimetière, vous pouvez invoquer un Tapdol ou plus de votre main. Non, de votre deck dans votre main. Non, ou plus de votre deck dans votre main, mélangez ensuite votre deck. Ouais, ça te permet d'avoir les Tapdol dans ta main, mais t'es sûr d'abattre un monstre. Alors, vous pouvez activer cette carte que lorsqu'il y a 3 grenouilles des face resto sur votre terrain. Bien jouer toutes les cartes sur le terrain de votre adversaire. C'est très dur à jouer ça, il faut avoir les 3 grenouilles et lien de puissance. Cette carte est très prêtée. En gros, envoyez au cimetière depuis votre main ou votre terrain, les monstres matériels. Fusion qui sont listés sur une carte monstre de fusion de type machine, faites l'invocation saison de ce monstre fusion depuis votre extra deck. Alors ceci gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Une attaque double, non? Dans la recevez des dégâts égaux à son attaque. En gros, c'est qui tout double? Invoque par exemple le cyber dragon cyber. Le monstre a 4000 points d'attaque, il en a 8000. Imagine que ton adversaire, t'as un monstre suffisant, deux monstres. Quand on a suffisamment fort pour battre l'adversaire, bah tu gagnes le duel. C'est une carte qui peut vite finir le duel. Ah, le miroir de dragon, gyroïde, je sais plus son nom, et on l'a déjà eu. Et alors, miroir du dragon, retirez du jeu depuis votre main ou votre cimetière les monstres matériels de fusion qui est indiqué sur une carte. Monstre fusion d'éternel fait la vocation. Voilà, c'est juste une carte polymérisation. Ensuite, gyroïde, ça c'est un monstre dans la famille roïde. Une fois par tour, si cette carte devait être détruite à l'issue d'un... Bah l'issue du combat, elle n'est pas détruite, voilà, c'est un monstre, une ceinture. Mozaki géant, oui, il est niveau 4, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas de Kuzaki resto sur le terrain, détruisez cette carte. Si cette carte de phase resto sur le terrain est détruite, infligez au point de vie de votre contrôleur, de son contrôleur actuel, des dégâts égaux à l'attaque d'origine de cette carte. Donc 2500 points d'attaque en plus dans la gueule, ah ouais, on l'a vu. Énergie ensemble, défausez une carte... Et puis pour sélectionner un monstre, face à toi, il gagne 1500 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. C'est pété. Ah, notre batterie B, l'Omar enragé, Quasmond D, Drioïde, c'est une carte assez pété, et Euphonoïde. Alors, l'homme batterie C. Si tous les hommes batterie C sur votre terrain sont en puissance d'attaque, augmentez l'attaque de tous les monstres de type machine sur votre terrain de 500 points pour chaque homme batterie C sur votre terrain. Si tous les hommes batterie C sur votre terrain sont en position de défense, augmentez la défense de ouais, okay, 500 points. Ok. Omar enragé, ça peut être pas mal. C'est un monstre qui peut counter les cartes comme filo dimensionnel. Un plat raffiné renommé dans toutes les strates supérieures du monde ténébreux, il a un goût sans consommer. On l'a vu, Drioïde, si cette carte attaque un monstre en position de défense, détruise sans par effet de cette carte, sans appliquer le calcul des dégâts. Et en plus, je crois, sans plus utiliser l'effet de cette carte. Euphoroïde, alors oui, il a que 1200 points d'attaque, mais il peut s'équiper à un monstre. En gros, lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyé cette carte, vous pouvez faire la conscience spéciale d'un monstre de type machine avec une attaque de 1500 ou moins de... Voilà, mais je trouve que pour niveau 6, ça justifie pas quoi. Ah, cyber chien, donc batterie C, j'ai trouvé. Et ah, une carte du jeu, chien de mode mécanique. Lorsque vous n'avez pas de carte dans votre main, votre adversaire ne peut pas activer de carte magique. C'est assez pété. Espion de chienne, plutôt. Ouais. Alors, sélectionnez une carte monstre à son jusqu'à la fin de ce tour, passez le. À votre adversaire, très bien. En batterie, on l'a vu. J'ai trouvé au moment où cette carte est sélectionnée comme cible d'une attaque par un monstre de votre adversaire, le contrôleur de cette carte peut activer une ou plusieurs cartes pièces de sa main. Voilà, c'est parfait, c'est pas mal. Et le dragon, le cyber dragon jumelle, cette invocation ne peut pas être. Cette carte peut attaquer deux fois par tour. Pété. Ah, on a eu des cartes de Yu-Gi-Oh! Et puis chiantes, on va dire. Alors, Wazoo, une fois par tour durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte sur le terrain, vous pouvez équiper cette carte à votre Wazoo comme une carte d'équipement ou libérer cette carte. Ouais, il y a du chose à lire. Alors, de cette carte, augmenter l'attaque du monstre équipé de 2500 points. Un monstre ne peut pas être équipé qu'avec un seul monstre mignon. Si le monstre équipé est détruit qu'à signer le combat, il fait cette carte à la place.
Ensuite les dragonnards, on l'a vu, Kozaki, on l'a vu. Patrouille, prenez et regardez une carte posée sur le terrain de votre adversaire, puis renvoyez-la dans sa position d'origine. Vous ne pouvez pas activer cet effet qu'une fois par. Vous ne pouvez activer cet effet qu'une fois par tour. Voilà. Payez 1000 points de vie, retirez du jeu tous les monstres comme de team machine sur le terrain de votre adversaire et dans vos fonds cimetière. Ça, ça counter un deck machine assez violemment. Là, on a une. Ouf, on a deux cartes. Bon, on a déjà eu. On a eu. Kuragame et Artiste de la Terre spirituelle. Bon, c'est le même effet que la carte. La carte O et ça, pareil, c'est pour l'équipe feu. Sacrifier un monstre feu, soyez infligé au point de vie de votre adversaire, des dogas égaux à l'attaque du monstre sacrifié. Ah, on a le doué de souche, quoi. On a la grenouille D. Encore un jeu de grenouille et on a eu fusion miracle. Jutsu. Apparemment pas du tout fiable, il se demande s'il dispose d'un vrai potentiel. J'ai trouvé, on a eu grenouille D. En plus c'est un monstre à 5 étoiles quoi. Lorsque cette carte est invoquée par succès par invocation, vous pouvez faire l'invocation d'un nombre de grenouille D dans votre main ou votre cimetière en allant jusqu'au nombre de tapdown dans votre cimetière. Vous voyez, c'est pour un deck grenouille. Grenouille lance poison. Lorsque cette carte fasse ressort sur le terrain et envoyé au cimetière, sauf qu'elle a été attaquée à... alors qu'elle était face à toi et détruite au-dessus. Donc vous pouvez piocher une carte dans votre deck. En fusion de miracle, c'est héros pour les héros des éléments. Je vais pas expliquer son effet, c'est pareil que lien de puissance. Ah. On a eu DDM, maître d'une dimension différente plutôt. Défausez une carte magique dans votre main, faites la transformation de vos monstres qui est actuellement retiré du jeu. Cet effet ne peut être activé qu'une fois durant votre tour. Ouais, c'est pour les decks. Je retire ton jeu. Ah, on a eu une fusion. Alors, déjà, on a eu récupération de fusion, ajouter une carte polymérisation et un monstre mental de fusion qui a été utilisé pour vous dans votre main. Voilà, ça permet de récupérer une carte polymérisation. Polymérisation, c'est assez chiant pour la fusion quoi. Alors on approche bientôt de la fin des decks cybernétiques. On a eu une Loli, on a eu le dragon Tyrannosaure en infinité. Et on a eu Bulman. Ah oui, il y a Bulman dans le jeu. Couronne, magicienne d'ébène, durant votre Stanifa, infligez 3 ans de points de vie au point de vie de votre adversaire pour chaque monstre sur le terrain de votre adversaire. Les dragons. Alors Tyranno infinité, l'attaque d'origine de ce monstre et le nombre de monstres de type dinosaure est tiré du jeu. Ouais, bon bah écoute. Bulman, si c'est l'unique carte de votre main, vous pouvez faire l'invocation spéciale de cette carte dans votre main. Lorsque cette carte est invoquée par succès par invocation normale, flic au spécial, il n'y a pas d'autre carte sur votre main ni dans votre main, vous pouvez piocher deux cartes. Et allez, on passe au monstre au deck réveil des synchros. Ah, on a eu Axel, je crois. Alors, magicien de la cloche de feu, lorsque vous contrôlez un monstre allié de la justice, cette carte gagne 400 points d'attaque. Seigneur de l'extermination, détruisez et retirez du jeu une carte magique ou pierre vers. Si c'est une carte pierre, les deux joueurs doivent retirer du jeu toutes les armes de cette carte depuis leur deck. Alors par exemple, si c'est prison dimensionnelle, bah t'es baisé. Transformise, détruisez tous les courriers vers et les jetons courriers que vous prenez pour plus un nombre de cartes contrées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de courriers et de jetons contrés par cet effet. Gagne la vallée de brume. Un monstre de l'adversaire qui combat cette carte est renvoyé dans sa main, la main de son critère à la fin de la domaine sauce s'il est détruit au combat. C'est Herbel. Lorsque cette carte inflige des dégâts, on l'a déjà lu. Ah, on a monstre vert, on a. Je sais plus le nom de cette carte en français. Ah, on a. Un monstre 5 ou un CPT. Alors, Apocalypse, de sélectionner et détruire une carte magique piège, bourse des armes, sélectionner un monstre que vous contrôlez. Ce monstre. Si vous devez sacrifier un monstre que vous contrôlez, sacrifiez le monstre sélectionné à la place. Vous devez passer votre battle first durant le tour où cette carte est activée. Masque de faiblesse. Lorsque cette carte ne peut pas être activée que durant la battle first, sélectionnez un monstre attaquant et diminuez son attaque de 700 durant le tour où cette carte est activée. Garahold, allié de la justice. Cette carte gagne combat à monstre lumière, elle gagne 200 points d'attaque durant la stand face. Et ensuite, Urbulus Sabrix, c'est une carte d'un CPT que j'ai en plus. En vrai. Si votre adversaire possède 4 cartes ou plus dans sa main et que cette carte inflige des dégâts, passez une carte au hasard de sa main au-dessus de son deck. Anus en attaque. Axel, là, c'est Axel Sabrix. Kuribo ailé. C'est une extermination. Et je sais pas.
En annulation d'attaque, ça annule la boss phase de l'ennemi. Axel Sabre X. Tant que c'est, vous contrôlez cette tier Force Resto. Non, parce qu'on s'en va des trucs qu'on voit. Aussi une carte, piocher une carte. Oui, brûler, en gros, tu la mets sur le terrain, ça finit. Donc, tes dégâts, c'est zéro. Chaman de la vallée de brume. Une fois par tour, vous pouvez renvoyer une carte que vous contrez dans votre main. Cette carte gagne 500 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ensuite, un verre, Garaol, un allié de la clope de feu. Or, vert, Balthus, lorsque cette carte invoquée normalement changer un monstre en position d'attaquant, de défense en position d'attaque. Position de oiseau du tonnerre de la vallée de brume. Alors, lorsque cette carte face resto est renvoyée dans sa main, invoqué là spécialement, c'est qu'elle ne peut pas attaquer durant le tour ou aller intérieur invoqué spécialement. Car on l'a vu, magicien, je crois qu'on l'a vu. Et sous du feu, c'est qu'il y a une carte dragon au juro. Plus on l'avait pas celle-là. Alors dernier truc. Ah, on a eu un allié de la justice, je crois. Ah, et le dragon noir aux yeux rouges. Ah, en plus on l'avait vert d'Inkleric. C'est qu'un gagne 300 points d'attaque et de défense. Super. Runera, allié de la justice, et cette carte combat un monstre lumière, elle gagne 700 points d'attaque durant la semi-phase. Axel, on l'a eu, et le dragon noir aux yeux rouges, une des cartes les plus connues de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, bon, on va ouvrir un petit paquet de ça et puis on va s'arrêter. Ah, on a eu un panda, super. Ah, marche triomphale des animaux. Alors, expansion élémentaire, sacrifier un monstre de chacun des attributs vent, eau, feu et terre sur votre dernier truc. Pour activer cette carte, détruisez toutes les cartes sur le terrain de votre adversaire. Je vais choisir avoir Panda, Mandigouré. Tant que cette carte reste sur face resto sur le terrain, à chaque fois qu'un monstre ou pousse de type bête sur le terrain est détruit, augmentez l'attaque de cette carte de 500 points. Pour marcher enfin les animaux jusqu'à la fin du tour, augmentez l'attaque de toutes les cartes de type bête sur votre terrain de 100 points pour chaque monstre bête sur votre terrain. Échange d'âme de bête renvoyé dans la main de votre monstre de type bête, chaque resto sur votre terrain. Ok. A chaque fois qu'une carte magique est activée, augmentez les points ennemis du comptoir de 500 points. Okay. Bon bah là, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode de... Je ne sais plus combien, je crois que c'est trop. Alors je crois que c'est... le quatrième. Ouais, c'est le quatrième épisode de Yu-Gi-Oh! Donc j'espère qu'il vous aura plu, on va se retrouver bientôt pour l'épisode numéro 5, je crois, de Yu-Gi-Oh! GX, de Yu-Gi-Oh! 5D Over the Nexus. Donc d'ici la porte, c'est bien, c'était super, quand même. À vous les studios.